Qui, moi? Quelle lettre? Le... Non, de Jérôme. Ah, c'est Jérôme, pardon, non, je voyais Lolo. C'est... Ah non, ça c'est le texte de Jérôme, qui finit en disant « Lolo reste quand même le seul à faire de l'animation fixe en acier. » Magnifique. Moi, j'aime bien ça. Comparer là, cette caméra. Ça, c'est vachement bien. L'équilibre mondial et dialogue dans la ville. C'est du Lolo, quoi. Je peux l'enlever, celui-là. C'est-à-dire, ça, c'est Lolo. C'est ça. On en a un près du... cadre d'or. Et donc, les clients, bon, c'est la fin de l'été. Donc, il y a un petit mois de l'an. Et donc, les clients, c'est celui de l'hôtel. Donc on en a toute une collection. Et comme nous disait Robert Leroy, maintenant ça atteint d'intérêt aussi c'est pratique. Donc il y a un moment je vais parler des traductions. You're taking a picture of me while I'm speaking. I don't know anything about what I'm talking about. I don't even know how I'm meant to look at the camera or anything. Bon alors, écoute, les amis arrivent. Tu connais mon Jeannot, mon frère, Bakir. T'as vu ce soir le petit merveille de. Et alors, il est encore mieux les yeux ouverts parce qu'il a quand même un petit Bouddha. Je vais dire bonjour à mon ami Yvan. Yvan. Ah bah oui. On est en 2000, hein. Je croyais venir lundi, je croyais venir mardi et mercredi. J'ai la semaine prochaine. Demain, tu peux pas. Ici, là, j'en ai vendu. J'ai vendu avant. Et là, c'est un peu plus, je dirais que c'est plus délicat pour acheter parce que c'est quand même pas les mêmes. Mais il y a des choses, je reconnais bien. Je suis assez content. Je suis très heureux d'y aller. La première chose, c'était... C'est quoi le travail du fiston? Le travail du fiston? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez... Il est à côté, ça va être difficile. Non. Non mais... C'est pour lui, hein. Oui, non mais son travail, je dois dire que... Il m'a toujours caché ce qu'il faisait de plus beau et il me le donne à la maison, comme ça il apporte un jour trois recueils de textes qu'il a écrits. Il me donne un scénario qu'il avait fait il y a 5-6 ans, mais sans m'en avoir parlé. J'apprends tout après coup. Moi j'ai su qu'il était devenu sculpteur un jour, bon voilà. Bon, mais maintenant... Alors, c'est une belle surprise.
Ah ben maintenant, je les connaissais, celles-ci, pour la plupart. Il en a retravaillé encore quelques-unes, mais je crois qu'il est assez doué dans toute la création. Alors, je ne sais pas où il s'arrêtera, mais j'espère qu'il s'arrêtera un jour, avant d'être riche. Bobinette. Ça pollue moins. Bon, ben, j'ai donc, je suis resté un mois, une semaine dans le Nord. Mais oui, c'est pour ça que je vous montre. Voilà, Lolo. Voilà, c'est une expérience musicale. Là, c'est Delphine. C'est quoi le style ? Conceptuel. Vous croyez vraiment que c'est le moment ? Non. Ah non, bonjour. Ah oui, salut ! Bonjour. Tu vas bien ? À une femme qui... Ah oui, elle a carrément... Ouais, mais elle a des seins avec une hache, c'est dangereux quand même. Hein. Mais bon, c'est pas mal, c'est original. Tu peux aller très loin dans les fantasmes. Hein. Mais bon, pour le moment, je vais pas acheter tout de suite, j'observe. Après, avec le temps, je vais bien réfléchir. C'est avec le temps qu'on règle les problèmes de tout ça. Mais ça me plaît. Ça change jamais. Ça conserve. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne mets pas la plus bonne affaire. C'est que des mots gentils. Enlever le main de maître, c'est la bruyère. Ouais, et il y a la pièce des Gnomes qui sont juste Tristan Bernard, qui s'appelle Ouais, L'amour est un enfant de sa vie. J'ai vu le petit paraître. Ben superbe, je savais pas que Lolo, enfin je sais depuis quelques années, mais... Personne ne sait en fait, hein. C'est la surprise, hein, ouais, c'est la surprise, oui, mais c'est une surprise pour moi qui date de quelques temps, mais je suis toujours sous le choc de la surprise, parce que je l'ai connue dans d'autres circonstances depuis longtemps. Alors ça s'est vu... Ça vous incite à quoi ? Je veux dire, ça vous fait penser à quoi, toutes ces statues-là ? Je sais pas, c'est pour qu'il y ait un avis un peu. Bon, ce sont des femmes, donc c'est la beauté suprême. Et comme je sais que Lolo est un homme extrêmement sensible, je pense que c'est son côté féminin qui manque beaucoup aux hommes en général. Je regarde la caméra, non ? Parce que j'ai pas l'habitude. Son côté féminin qui s'exprime et l'amour des femmes, et bon, voilà. Moi, je trouve ça super parce que c'est fait dans un matériau qui est dur, quoi. Et pour donner un extrême qui est très doux et très aérien, très arrondi, très courbé, voilà. Naturel. I should get the camera and turn it back on you. C'est magnifique, c'est magnifique. On fait pas des masses, hein. Non. Bonjour, ça va ? C'est interdit là. C'est un merde. C'est interdit ? Qu'est-ce que tu penses des statues alors de Lolo ? Des quoi ? Des statues de Lolo. Moi je suis venu manger et boire. C'est qui Lolo ? Montre-moi qui c'est. C'est qui ? Un grand mec avec un gros nez. Ah, le mec avec le nez crochu là, machin. Il est sculpteur lui ? Ah, ah ouais. Il s'est sculpté lui-même. Et il a été un peu fort sur le burin hein, parce que le nez il est un peu. Mais c'est bien mon Lolo, on t'aime mon Lolo, c'est bien. On attend Manu, hein, il est pas encore là, hein. Manu il est en retard. Hein. C'est mon pote, Valeur. Je le défends moi. Manu il est en retard, hein. On a un témoin. Ah ouais, comme ça je fais pas.
cette position. Ouais. Non, franchement, c'est très très bien. Moi, j'aime bien les formes, c'est très fluide. Je connaissais pas du tout l'artiste. Et au final, je suis très satisfait de cette exposition. Donc, félicitations à l'auteur. C'est un côté très féminin en plus. Complètement, je pense que c'est ça. Ça appelle ma féminité enfuie vraiment au très fond de moi. Non, franchement, c'est très très bien. Ça sonne, super, j'adore. Oh, un oiseau. Oui. Je suis dedans. L'hôtel California. C'est au 16. Par rapport au champ, et bah à gauche en fait. Oh super, j'ai la famille, génial. On a connaissé notre petite fille aussi. Ah, la petite fille. Toute la famille Bertelier, ça va être content. Je le sais tout. J'aime le tricot à partir de 3h du matin. C'est top.